un gros bonjour, un gros bonsoir pour chaque grand monde qui va regarder vidéo ça, ça dépend de l'heure où va regarder. Mon qui parle avec là c'est Amboise Isgras. Maintenant, c'est un plaisir pour nous capable de présenter à Zaminoué quelques outils de base d'un frigoriste. Avant de continuer la petite pause, on va tourner. Pour continuer, Zaminoué, nous allons parler de manomètre. Nous allons parler de map Gaza. Map Gaza avec toute bête poche. Nous allons parler de Rifter ça. Rifter ça. Nous allons parler de réfrigérant ça. De nous allons parler de appareil ça. Nous allons parler de appareil ça. Nous allons parler de outils ça. Nous allons parler de outils ça. Des outils ça. En fin de compte de monter compresseur ça. Bon, manomètre, qui ça manomètre là? Mais qui ça appareil ça? C'est un appareil qui là pour mesurer pression et un fluide dans l'espace fermé. Soit on le dit fluide ou capable de dire un gaz. Tout corps qui coule même avec de l'eau et on le sait plus fluide. Et c'est rôle ça pour capable. Donc frigo il pas exercer pas qu'à faire réfrigération sans le paguer. Il y a un appareil comme ça, qui est un manomètre et un manomètre. Ensuite, nous avons map gaz ça ensemble avec bec torche là. Ça c'est bec torche là, partie en l'air, c'est bec torche. Ça c'est map gaz là, c'est ça qui gagne gaz là pour faire soudure. Nous pourrons le montrer nous comment on est capable de faire soudure. Comment on est capable de faire soudure. Ouais, nous avons ça. On a pris un bar de soudure, on va le montrer nous. On va être volume. Voilà. On va être volume. Voilà. On va être volume. On va être volume. Ok. C'est juste pour te montrer nous comment on est capable de faire soudure. C'est juste pour te montrer nous comment on est capable de faire. Nous avons ensuite appareil ça qui c'est une pièce ampèrmétrique. Pièce ampèrmétrique là, il est là pour capable contrôler la tension qui traverse dans le circuit. Il y a une autre fonction qui est encore. Nous avons ensuite ruban métrique ça, il est là pour capable prendre mesure, pour capable contrôler l'offre de bobinage dans le freezer. Nous avons un appareil ça qui est un maillet. Lorsque faire le bobinage dans le freezer, ou pas utiliser un marteau fait pour être capable de creuser. Utiliser un maillet ça. Nous avons un persine ça, un persine gaz ça, ou un persine réfrigérant. Comment utiliser les amis? Mais comment? Ou visser la tête réfrigérant, ou visser. Kembe, descend ça. Descend ça, ou visser. Et puis, l'on va utiliser ou visser ça, descend. Ou visser juste pour percer le réfrigérant. Lorsque vous percez le réfrigérant, l'on va utiliser pour mettre ce système là, ou lâcher. À partir de manomètre là, la traverser dans le système. Ça, presque, j'ai au même rôle ensemble avec ça. C'est un cramps gaz. Comment utiliser le cramps gaz là? Ou bien réfrigérant. Ou peser, ou tout crampser. Et puis là, on va utiliser le réfrigérant pour mettre ce système. Nous avons un élément ça, ça a les access valve. Access valve qui est ça, il est là pour mettre ce système, il est là pour mettre le réfrigérant. Parce que si on a bien gardé, on a deux access valve. On est capable de mettre ça dans un tuyau de service pour capable recharger le moteur compresseur pour capable de venir bon service. Enfin, j'aime mieux c'est de outils ça haut, nous t'es capable de présenter nous. Y a un frigoriste pas capable d'exercer métier sans pas les outils ça haut. Gagne toujours qui c'est coupe tuyau, gagne vacuum pompe, mais maintenant
c'est ça nous présenter nous-mêmes, nous présenter nous ça matin. Elle dit non, prochaine vidéo, on va pour nous présenter nous l'autre outil encore. Nous remercions chaque monde qui était parmi nous et un petit temps en temps pour être capable de garder vidéo ça. Nous demandons aux capables abonner à la page là, aux capables partager vidéo. Dans la prochaine vidéo, vous êtes capable de venir plus d'informations. C'était Zami Pao, Esdras. Ciao, ciao.